crois que tu pourras vite pouvoir comment récupérer le sort Drister. Donc, sur le site de grâce des galeries de Raya Lucaria. Dans la carte, en fait, nous sommes au nord-est, en fait, de la contrée lacustre de Lurnia. Et on va voir comment récupérer ce sort relativement rapidement. Vite fait. Hop. Et on va tout de suite commencer l'exploration. On va juste skipper de la lampe et c'est parti. Donc là, on peut noter qu'on a un petit objet qui traîne sur la gauche, mais on ne doit pas s'y intéresser. Donc là, on va continuer en tout droit. Donc on est à droite tout droit. Hop, on va continuer à s'enfoncer un petit peu plus loin dans la mine. Donc là, on va vraiment essayer d'esquiver le maximum. Alors, vous voyez, on va essayer de là. Oui, ils avaient commencé à se retrouver. Hop. Et également, un petit peu de feu. En termes d'agressivité que de points de vie. Ok. Donc, il y a ce point qui est juste là. Attention, même s'ils meurent, du moins qu'ils ont lancé leur magie, elle s'active. On va continuer à activer. Là, c'est pareil, hein. On va venir continuer à s'éveiller. On profite juste pour récupérer des pierres de forge qui traînent par là. Pour ça de prix, des runes dorées également. Donc là, on repart de là où on venait à l'instant. Hop là, autant pour moi. Donc on continue, nouvel ascenseur. Je vais en descendre encore un petit peu plus. Et on met tout full. Aussi bien la vie que le mana. Voilà. Rien de bien particulier à faire, si ce n'est. Continuer à descendre. Donc là, on va avoir 2-3 salles à vider et on doit plus être très très loin. On va faire de lui au cas où. Récupérer la pierre de forge. Et oui, on ne peut pas passer. Cependant, on va faire de tout ce qui pourrait nous jeter à distance durant la traversée. Donc voilà qui est fait. Et on est parti. Hop, je vais être bien droit. Et puis après, on n'a plus qu'à courir. Hop. Donc là, vous avez le raid pour six. On va prendre à débloquer. Hop. Je n'ai pas juste des derniers. Et on va continuer l'exploration. Voilà. Alors, enfin, hop. On avait un qui était en haut. Et on va sortir directement de la droite. Un deuxième qui est en haut. Alors là, il y en a un dans le coin. Entre trois, donc on a une pierre de forge. Donc on va tout tuer, autant la ramasser. Et on va ressortir et prendre à droite. Ouais, à droite. Donc nouvelle salle. Alors on va faire pareil. On a un ennemi visible, on a un deuxième. Il y en a un qui traîne dans le coin à droite, toujours pas autant pour moi. Ou pas, c'est ici. Il est bien. Hop, et donc on le loot qui est ici. Un couteau de cristal qu'on ne va pas utiliser. Bon, tant qu'à faire. Là c'est pareil, on reprend à droite et non pas à gauche en sortant. On va continuer à s'enfoncer un tout petit peu. Normalement, on devrait plus être très très loin du sort. Encore une fois, avec quelques mineurs. Alors, en milieu, on va sauter au milieu d'eux. C'est tout costaud. On va aller pour lui également. Et le dernier, on va pouvoir l'esquiver. Voilà, on
le tue avant qu'il ait le temps. Et voici Brister, Ghetto Dazé. Et YouTube, maintenant, on va voir comment s'utilise le sort dans un instant. Attention, on retourne au début de l'aventure. Hop, nous y voici. Donc j'ai toujours ma lumière stellaire d'activer qui n'aura aucune incidence. Et voici comment ça se présente. Donc un sort de zone, un cercle autour de zone. Ce qui pour le coup met quand même un petit peu de temps à charger et surtout j'ai pas sur une très très grande zone. Hop, on va essayer juste de ramener plus de monde afin que vous puissiez voir comment ça se passe et surtout le temps que ça m'a chargé avant à. Et bien YouTube, en fait là-dessus, à liker et à t'abonner, cette vidéo a pu t'aider. À très bientôt.